voici les 5 jeux les plus marrants que tu ne verras jamais sur YouTube. On se fait plein de pranks avec des animaux sur un simulateur de zoo. Je découvre la fin secrète du jeu de la tomate la plus méchante du monde. Alors restez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'un des jeux les plus fous auxquels j'ai pu jouer. C'est parti. T'as la petit, voilà. What? Suis-moi. Tu vois comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'as fait? Par loin. Ah bah si, il y avait un truc au sol, vous avez pas... Viens. What? Lâchez-moi, monsieur, lâchez-moi. Viens lâchez-moi, là lâchez-moi. Non. Qu'est-ce que tu fais n'importe quoi. Vous avez où là? Retourne là-bas. Je vais mourir, monsieur. C'est parti où? C'est bon, je suis chez moi. Oh, salut les copains. Reste avec tes copains. Voilà, très bien. Et c'est un grand fou l'autre là-bas, il est complètement taré. Salut mon pote. Reste tranquille, j'ai des trucs à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, prends une petite voiture, il va falloir que je trouve les requins. Intéressant. Monsieur a des choses à faire aujourd'hui, il doit travailler apparemment. Bon, on va l'en empêcher. Mon objectif, il est simple, c'est de tuer le gardien. Attends. Ok, ça va péter, ça va péter, ça va péter. What? Il y a le feu partout, monsieur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? T'es où? T'es où, petit? Ça. Yep, là. Reviens là. Il arrive vite. Non. Aïe. Waouh. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis en train de m'exploser. C'est solide, un éléphant quand même. T'es où? Moi je suis au zèbre. Monsieur, vous êtes complètement fou. Bon. Il y a des araignées, des serpents dans votre zoo. Oui. Mais j'avais pas signé pour ça. Moi je croyais qu'il y avait que des petits singes comme moi. Non. Non, il y a un grand zoo avec plein d'animaux. Alors les requins, ils sont par là. Quoi? Attendez. Oui, les requins c'est là-bas à l'aquarium. Qu'est-ce que fait? Pourquoi l'éléphant il est avec les dauphins? Lequel? Parce que j'en ai éjecté un tout à l'heure. Il est dans l'eau? Oh non, il est à côté. Ah salut monsieur. C'est incroyable. C'est le retour. Attention. Non, elle a explosé sur moi. Il est où? Un client. Un visiteur. Arrête de menacer les clients. Monsieur, je vous soulève. Oh non. Oh le crossbat qui t'a mis. Oui mais aussi là. Ah bah ça c'est de pas avoir fait attention. Qu'est-ce que vous faites monsieur? Vous êtes non. Sois sage. Non, c'est quoi ça? What? On t'en a eu de là. Il m'a pas vu. Mais je te vois, je suis en train de te regarder là. Non, mais actuellement, tu nages avec le requin. C'est le requin qui m'a pas vu. Aïe, il m'a mis un coup de nageoire. Bon alors, j'ai trouvé un requin, mais comment? Ok. Il faut utiliser un petit poisson clown, je pense. Ça fonctionne. Ouais, mais ça c'est moi, ça. Aïe. C'est pas bon. Ça l'a nourri. Oui, il est là. C'est bon, je vais avoir la kill de... Ah bah non. Bon bah ça c'est bon. C'est fait. Ok, il a déjà pas mal avancé, il faut que je m'occupe de lui. Ok. Vite avant qu'il y arrive. Maintenant, c'est quoi ça? On va livrer un petit cadeau. Alors, qu'est-ce que je viens de voir passer là? C'est rien, monsieur. Je suis parti dans le zoo de la ville d'à côté là. Ma voiture. Oh, des télécabines. Ils avaient nouveaux télécabines, monsieur. Hop, reviens là toi. Il est où lui? Hop là. Non. Et si on allait faire un tour de télécabine? Non. Ça me paraît bien. C'est ça. Je peux rien faire. C'est parti. Non, mais j'aime pas être trop en hauteur, moi ça me fait peur. Mais t'es un singe, tu vas en hauteur. Ah oui, c'est vrai. Tu grimpes dans les arbres. Et maintenant. Lâchez-moi, monsieur. Wow. Oh, super, il y a des caddies roses. Mais non, il est là lui encore. C'est le mien. Alors, je dois apporter un petit cadeau. Live. Apporter un cadeau à qui? Le zoo café. Non, c'est pas ça qu'on voulait. Avance. Attention, monsieur. Vous aussi, monsieur, ça a explosé. J'ai failli sortir du... Aïe. Ok. Je vois que vous avez plus beaucoup de vie, monsieur. Ok. C'est le taser, peut-être? On assure. Oh non, mais je me suis tasé aussi. Quoi ici là? On va bien s'en sortir. C'est un endroit sympa pour manger. Bonjour monsieur. Dans l'eau, allez, encore un peu. Voilà. J'arrive. Tabouret en main, mon pote. Les zèbres. Je te vois. Est-ce que vous voulez goûter mon tabouret?
Boum. Laisse les zèbres tranquilles. Petit front flip, petit zèbre. Mais l'avantage, c'est que je suis invincible. Toi, par contre, tu vas y passer d'ici peu. Je pense que tu vas y passer. Je peux te monter dessus, le zep? Non. J'observe ma proie. Okay. Ma proie est en joue. Bonjour, madame. Il m'a pas vu. Il m'a toujours pas vu. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, c'est une bombe lacrymosa. C'est bon. Ah non, il suit toujours. Vous avez pas le droit de faire ça, j'ai une bombe lacrymosa dans le sein. Il suit toujours. Pas ça. C'est parti. Ok. C'est parti. Démarre. Je me suis fait tellement. Démarre dans toute sauce. What? Oh, je suis retourné dans le parc. J'ai gagné. On a gagné, les animaux. Let's go. Qui a mis des grenades dans ce zoo? Ah, monsieur le gardien, vous êtes reconverti à ce que je vois. Ouais, mais toi aussi, apparemment, non? Ah, oui. Bon, mais j'étais déjà un animal, mais je suis encore... Ouais. Oh, aïe. Oh, la violence. Arrête, tu m'écrases. Je vais m'évader. Oh, je peux m'évader, let's go. Oh, bonjour, monsieur. Oh. Arrête. Oh, petite cabine. Non. Ça va. Laisse. Mettez en feu, monsieur. Ça va exploser. Non, c'est bon, attention. C'est bon. Wow. Oula. Ouah, et la violence. Je peux taser, moi. Oh, désolé. Aïe. Ok, c'est pas moi que tu cherches. Oh, c'est quoi ça? Viens, on va voir le spectacle des dauphins. Ah, c'est bloqué. Attends, mais c'est à toi, ça. T'es où? Là, celui-là, ouais. De quoi? Mais là, c'est... Ah, c'est grosse bouse, là. C'est à moi, ça, ouais. C'est à toi, ça. Oh, ouais. Ah, oh, t'étais pas obligé de me le mettre dans ma trompe, hein. Ça sert pas de ma trompe, hein. Ah bon? Non, tu l'excrémentes? Attends, moi. Oh, il y a un spectacle de dauphin là-bas. Ah, il va m'écraser. On est ensemble. Toi, va-t'en là. Oui, mais. Oh. Ouais, mais si tu m'écrases. Oh, ça va exploser. Attention, oui. J'arrive. Retour à la case départ. Ben voilà, je retourne dans le parc. Va-t'en. C'était bien la peine de tout faire péter. Attention, j'arrive. T'es où? Salut les gars. Oh la vache. Salut la team. Oh, mais c'est qu'il y a du monde qui est en train d'observer. Oh, il y a un enfant. On va éviter de l'écraser, lui. Hop là. Oh, regarde, si je peux. Qu'est-ce que tu fais, pas? Bonjour, madame. Touche pas. Bonjour. Respecte la clientèle. Aïe. J'ai dit respecte la clientèle. On ne touche pas sans autorisation. Bonjour, madame. Oh, la girafe. Oh, trop classe. Salut. Ouais, papa. Salut. Il arrive. On ne fera pas les plus grands que nous. Boum. C'est vrai. Oh, la vache. Wow, tu l'as pas bien tenu sur ses pattes, le pauvre. En même temps, tu fais quoi? Tu fais 10 tonnes, là? Est-ce qu'il y a du monde dans le magasin? Attention. Oh, comment t'as fait pour la faire péter? Je suis encore une fois revenu dans mon enclos, mec. Tout le temps. Oh, j'ai trouvé un copain. Wow. Regarde. T'arrives pas? Un vrai copain, quoi? Et pas, faut que tu viennes. T'es où? Tu montreras ton copain après, mais faut que tu viennes dans mon parc à éléphants. Vas-y, j'arrive. Appelle les pompiers. Oui. Oh, ton copain est trop stylé. Regarde, c'est un copain, c'est mon copain. Ah, oh, trop classe. Il est où, le chat? Regarde dans l'arbre. Oh. What? Hey. Sortez la grande échelle. Oh, bien joué, pas. Oh, je suis pompier. Oh, il est sur les fesses. Let's go. Voilà. Yes, mon pote. Oh. Allez, relève-toi. Allez. Oh. Ouais, il est revenu. Reviens. Non. Eh, tu crois que je peux conduire le caddie? Oh, mec, reviens. Oh. Viens. Viens voir. Ouais, j'arrive. Quoi? Oui. Comment c'est pas... Aïe, comment c'est possible? Vas-y, monte si tu trouves de la place. C'est bon. T'es dans moi, là? Oui. Attends, tu es en train de me faire... Comment dire? Je suis en train de... C'est bon. C'est bon. Ça se passe bien. Les barrières. Oh. Allez, évadez-vous. Évadez-vous, mes confrères. Ah, c'est pas très rapide, à péter. Bon, ouais, allons voir les araignées. C'est balayé. Hop. Allons voir tout ça. Ça passe. Qu'est-ce que c'est? Alors, elles sont... Sacré serpent. Elles sont énormes. Elles sont gigantesques. On peut les casser ou pas? Non. Elles sont ignobles. Alors, attends, moi, j'arrive. Bip. Attends, mais viens, on fait... Y'a la grande roue, tu crois que j'y rentre, moi, là-dedans? C'est sûr. Alors, où est-ce que tu es? Ah, mais c'était toi, ça? En dessous de toi. Tu vois le truc qui t'a arrêté? Bah, c'était moi. Alors, est-ce que j'ai pu y rentrer, moi? J'y crois pas. Oui. Et attends, peut-être dessus. Attends. Mais je peux pas, moi. Je suis tellement triste. Oh. 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 C'est bon. Comment il a fait? En forçant.
Tu profites de la vue? Oh, il est dessus. Gars. Non, t'es bloqué. Non. Bloque. Oh non, ouais. Il est bloqué. Ouais, c'est... Ah non. Ah, c'est bon. Ah, oh. Si t'es bloqué. Oh. Oula. Oh, j'ai tout vu. Je crois que c'est pas pour moi ça. Ah, attends, bouge pas. Je vais te chercher une petite grenade aux oignons là. Vas-y. Ah, attends, vas-y. Vas-y. Là. C'est bon. Alors. Si t'y arrives, je te paye un plein sac de cacahuètes. Ok. Attends. Parce que là, j'ai une vue assez. Comment dire? Dégueulasse. Ah. Bonjour. Oh, plein sur toi. Ah, le sac de cacahuètes. Ah. C'est bon. Va bien. Yes. Bon. Il y a de la masse corporelle là-dessous là. Ah oui, il y a surtout de la graisse. Oh la vache. Ça bouge pas très loin. Oh. Attends, ça fait quand même. Oh, comment tu l'as envoyé? Ouah, il revient. Quoi? Mec, il se passe quoi là, Island? What? Attends, oh, attends, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Oulala, il y avait un bug, il volait machin. Allez, pas dans... Oh, des monkeys, mes copains! Salut! Hop là! Hop là! C'est bon, je passe en dessous, je suis safe. Ah ouais, tu peux aller dessous et je peux plus jamais te choper. Attends, je vais essayer de forcer les choses, mais. Je pense que c'est pas possible. Avec ma trompe en vrai. Oh! Des troubadères! Je veux leur monter dessus! Je peux leur monter dessus! C'est des chameaux ça! J'ai dit quoi? Dromadaire! Oh, attends, tu crois que je peux y monter moi? Oh, oh oui! Oh, c'est insane! Ah, oh, c'est tellement pratique les boss. Les deux boss. Ouais, enfin bon, un dromadaire. Oh, accélération! Wouhou! Waouh! Attends, on peut peut-être aller dans les pyramides. Enfin, moi, oui, toi, je sais pas. Tu me dis, hein. Tu me dis si tu peux. Non, il y a un mur! Okay. Y a un mur invisible. Non. On va faire le tour du parc à d'autres dromadaires. Wouhou. Qui est en fait un chameau. Ah, ça c'est cool ça. Ah, attends. Salut pas. Salut. Oui, un truc super. What? Je peux m'étirer. Attends, mais je vais pouvoir. Mais non. Mais non. Non mais. Je vais pouvoir me lancer dès que je vais lâcher. Attends. T'es sérieux là? Attends. Mais non, me dis pas que c'est ça. Ah non. Oh. Attends, oh regarde, je pète. Peut-être que je l'ai je pète, fait. J'avance. Ouais, si ça marche. Je... Tu what? Pètes, toi, pour avancer. Ouais, regarde. Ah ouais. Oui. Oh, je suis un missile. Oh, ah attends, viens voir. Oh. Oh, le tour. Let's go, je vous emmène où, les enfants? Oh, oui. Attends, comment je monte? Comment je monte? Moi, je vais monter dessus. Il reste de la place pour toi? Ah ouais. Non, il reste pas de place. Vas-y, va conduire, toi. Moi, je reste c'est dessus. Sûr ouais, on est bien. Ok. Là, c'est parti. T'es ready? Ouais. C'est parti. Personnellement, je ne ferai pas confiance à ce conducteur. Hop là. Wow. Tout va très bien se passer. Hop. Moi, je prends un... Oh. Attendez, tut. J'ai pris un... What, t'es pas... Oh. Regarde mon cou. Tu vois mon cou? Oh là, oui. Mais quand je vais lâcher, ça va faire quoi, ça? Quand tu veux. Attends. Là, on arrive au sein. C'est en train de se disloquer, tes trucs, là. Regardez. Oh non, j'ai tombé. Oh non. Et pas, je vais lâcher. Je vais lâcher. Vas-y, lâche, je te regarde. Oh, let's go. Mec, j'ai vu Drogue qui est sorti. Oh, mais ouais, laisse tomber la puissance du truc. Et t'es parti où, là, du coup? Je suis au chantier. Ah, vous êtes là. Naturel. Oh, les amis. Ah. Petite grenade pour vous souhaiter la bienvenue. Ah. What the... Non, aïe. Ça va, oh, j'ai volé. Oh, je pense qu'ils vont pas regretter d'être venus ceux-là. Eh ben, je suis loin. Est-ce que je rentre là-dedans là? Oh. Oui. Oh non, il rentre pas. Ah si, il rentre. Oh et ben là, tu m'as fait rentrer par la force là. Ah bah pardon. Ah, t'es pas voulu. Je me suis tapé au-dessus tellement je suis gros. Ah. Je suis chez qui là? Je suis chez qui? C'est quoi? Mec, tu m'as envoyé chez les lions. Non. Attention. Fais gaffe, ils sont violents. Hein. Ah oui, c'est là qu'ils sont restés. Regarde, il te charge. Il fait des guillemets. Attends, j'arrive. Oh, merci, c'est bon. Pas. Ah, grand coup de taser dans ta face. Oh, attention. Ouais. Noie-toi. C'est bon. Noie-toi, je te dis. Yeah, vas-y. Oh, c'est bon, on a pris le contrôle du tien. Attention, lui, il est pas... Encore un. Wow. C'est ouf. Ah, désolé, je crois que je t'ai tasé. Y'en a encore un autre, Ah, je charge. What? Oh, regarde. Et t'es parti tellement loin. C'est délire. Alors, ouais, maintenant, si je prends un caddie, comment ça se passe avec ma grande tête, là? Oh, ah ouais. Ah ouais, je la prends. Quoi? Je prends le caddie, quoi, c'est... Littéralement. What? C'était quoi cette grenade qui passait, là? Ouais, c'était... Bah, elle était pour toi, mais... Mec, on est pas bien. On est pas bien. Oh.
Attention madame. Avance. Il a tout cassé. Non, je suis en feu. Il va exploser. Viens avec moi, je suis en feu. Non. Oh. Moi aussi. Toi c'est aussi. Bon. Oh, il est tout cramé mon caddie. Oh, je me suis éjecté. Oh. Ah. J'avais une madame devant moi, elle a pas résisté. À chaque fois, je te cherche, t'es où? Ah, t'es là. Oh là, je peux faire une fusée. Décollage. Oh, trop classe, mon gars. J'y ai cru, hein. Ah, c'est la toilette publique. What? Qu'est-ce qu'il y a? What? Il a chopé un WC, attends. Oui. J'ai les toilettes. Est-ce que je peux prendre un urinoir? Attends, j'ai essayé de lancer sur lui. Oh, headshot. Oh. T'es où, toi? Ah, t'es là. J'ai les toilettes. Ah, oh, c'est trop classe. Attends, j'allais aller voir. Je peux pas rentrer. Tu rentres? Ah non, il rentre pas. Aïe. C'était pas voulu, pardon. Petite intro apparemment d'un quelqu'un qui toque à la porte. Et nous, on est parti des toilettes, c'est bon, on a fini. La pastèque. Eh, animal, je vais t'apporter à manger. Oh, merci pour cette pastèque. Donc là, à mon avis, tout va partir de ce seul outil. Il y a sûrement quelque chose à l'intérieur, c'est sûr, quelque chose... Oh. C'est à moi de choisir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, on a 8 choix, les amis. Une petite pioche, une antenne, une tablette, une clé, du poison, une bombe, la téléportation ou le marteau-piqueur. Bon, marteau-piqueur, ça fait un peu de bruit, je pense. Une clé, ça peut être utile, mais bon, il y a peut-être les gardes derrière. Une tablette, pourquoi faire? Une téléportation? Mais oui, c'est ce qu'il nous faut, les amis. On va prendre directement la téléportation. Allez, c'est parti. Vas-y, échappe-toi. Oh, let's go, ça a marché directement. Je suis arrivé où, par contre? Ok, je crois que c'était pas le bon premier choix. Bon, très bien, j'ai compris, on va tester la tablette. C'est celui auquel je crois le moins, mais peut-être que ça va le faire. Plus de jeux. Ah, ok, ça m'amène sur le Play Store pour que je télécharge de nouveaux jeux. Bon, bah, on n'est pas sorti de l'auberge, mon ami, hein. Désolé, hein. Je vais essayer l'antenne cette fois-ci, et alors là, je sais pas trop à quoi ça va servir. Ah ouais, carrément, d'accord, ok. Oh, les amis, on va se faire abdiquer. Oh, let's go. Let's go, on se fait emporter. Yes. On va se faire déchirer par les... Mais non, on va se faire déchirer par les barreaux, c'est sûr. Oh, ah, non, on s'est juste fait assommer. Bon, bah, c'était toujours pas la bonne solution, mais vous inquiétez pas, on va y arriver à un moment. Une petite pioche. Par contre, là, ça risque de mettre un peu de temps. Il part faire ça sur le sol. Ok, parfait. T'aurais peut-être dû démonter les chiottes comme dans Prison Break. Oh là, oh là, calme quand t'as vu, mec. Tu fais trop de bruit, tu fais trop de bruit. Waouh. Et ça fait le français. Bon, alors si je prends le marteau piqueur, ça va être pire, il va arriver directement, le garde, là, ça va être direct, ça va être la même chose, non, je sais pas, attendez, on va voir. What? Ouais, il est parti dans une autre cellule, la cellule inférieure, l'autre, il a rien compris, et on est reparti. C'est bon, on a réussi, je crois, à s'échapper un petit peu, robinet, quoi? Non mais attends, ça vient d'où, ça? Ah mais attendez, je peux réessayer, ça veut dire qu'on aurait pu peut-être bouger, peut-être qu'on peut se déplacer, on va essayer. Je pensais pas pouvoir interagir comme ça, alors attendez, on va voir, dès qu'on est là, dès qu'on est en dessous. On bouge, comment on bouge, comment on bouge? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Robinet, go à droite! Mais il est débile! Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que je dois reprendre le marteau piqueur? Non, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, aïe aïe aïe. Bon, on réessayera tout à l'heure, on va maintenant utiliser du poison. Mais attends, du poison sur qui? Sur nous? Mais attends, mais tu sais quoi le délire là? On doit s'échapper, pas se tuer! C'est n'importe quoi. Bon, téléportation, on a déjà fait. Eh ben, maintenant il nous reste la bombe et même la clé. La clé, la bombe. Allez, on teste la bombe. Je suis sûr que la clé, c'est un bon truc. Allez, c'est parti, la bombe est en face de la porte. Wow! En fait, je me suis juste fait éjecter par la fenêtre. C'est toujours pas bon. Allez donc, direction la clé, et c'est forcément la solution. Mais alors là, par contre, on va se faire allumer une fois sorti. C'est pas possible. Allez, go, 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 mon gars, go. Oh, il dort, let's go. Prends, robinet. Quoi, robinet? Aouh. Ça veut dire quoi, robinet? Bon, j'ai mis le jeu en anglais pour voir ce que ça donne, car je pense qu'il y a une erreur de traduction, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Attendez. Tape, tape. Mais je tape! C'est pas possible. Je tape! Je continue à taper, je m'arrête pas! Oui! Il faut appuyer comme un fou, en fait. Oh, let's go! Boum! On a réussi, les amis! On a réussi! Avec le marteau piqueur, let's go! Yes! Mais si ça se trouve, avec chaque action, on a moyen de s'échapper, non? Non. Il y a juste la clé et le marteau-piqueur qui permettent de s'échapper, je pense. Alors, attendez. On reprend la clé, voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va le faire. Attendez. Hop, on est reparti. Go, go, go! Sauf que là, il faut le taper. Là, il faut le taper. Tap. Non, j'ai pas eu le temps. Tap. C'est bon! Boum! C'est réglé. Alors, est-ce qu'on sort? Oh, c'est pas fini. Tap, la porte. Oh, what, des grenades! Est-ce qu'on prend une chaise ou des grenades? Il faut prendre la chaise, comme ça on bloque la porte. Let's go. Ah non, on est parti au-dessus. Yes. Ah,
parachute ou smartphone? Là, je pense que là-haut, c'est plus un parachute qui va nous aider, hein, parce que le smartphone, bon, on peut appeler un ami à la limite, mais... Il nous a allumé en bas. Bon, ben, go smartphone, on va appeler un hélico. Un hélico. Appelle un hélico, s'il te plaît. Help me, bro. Essaye de m'aider, mon gars. Viens là. Oui, c'est exactement ça. C'était l'hélico. C'était sûr. On a encore réussi. Et si j'avais pris les grenades, là, ça aurait fait quoi? Je sais pas. Boum. Oh, ben, les deux sont morts. Au moins, ça s'est fait. Donc, niveau 2 maintenant, et on a la possibilité de manger cette fameuse pastèque en référence au premier niveau. Oh, t'étais pas obligé de le jeter par contre. Ah, taper là-dessus, d'accord, intéressant, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on a deux objets, voire trois qui correspondent au premier niveau, mais il y a des nouveaux objets maintenant. Et moi, j'ai envie de tester la grenade directement dans la cellule. Qu'est-ce que ça va faire? Oh, mais c'était trop intelligent, il est parti se cacher dessous et ça marche. Faut faire quelque chose, faut réagir. Ah non. Je peux rien faire. Bon, ben, on va en tenter un autre. C'est quoi ça? C'est un sèche-cheveux, c'est ça? Ah non, c'est une meuleuse! Oh là là! Oui, les barreaux! Mais ça, c'est une très bonne idée, les amis! C'est une très bonne idée! Vas-y, enlève ça! Ça a marché! Y a plus qu'à s'échapper! Let's go! I'm free! Oh! Je suis mort. Bam, c'est la crise là. On va reprendre le marteau piqueur. Peut-être que ça va le faire. Allez, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça va faire exactement comme dans le niveau 1? Oui, ça fait exactement pareil pour l'instant. On descend. Salut mon pote. Il y a un niveau de plus là. Là, par contre, il y a un niveau de gardien avec quelqu'un qui a essayé de s'échapper apparemment par la fenêtre. Et là, on y est. Ok, vite. Non, il m'a chopé. Faut que j'aille plus vite. Allez, vite. Va à droite. Nickel. C'est bon. Oh. Va en bas. Oh non, il y avait une souris. On a peut-être moyen de se servir d'elle pour peut-être se protéger ou je sais pas. Oh, pour effrayer le garde. Eh bien, il lui en faut peu pour qu'on s'échappe. Est-ce qu'on a réussi? On a réussi. Bon, maintenant, on va le tenter à la batte de baseball. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Sur qui on va taper? On va faire du bruit peut-être? Ouais, on appelle un gardien. Gardien, j'ai faim. Le gardien, il est là. Et on l'assomme directement. On l'assomme dès qu'il ouvre. Ouvre. Oh, il fait rien. Ah si, c'est bon. Oh. Vite. Parfait. On peut y aller. On prend le flingue. Alors là, on est bien. On a le flingue et une clé. Mais on est mort. Ok, il faut lui tirer dessus. Vite. C'est bon. On a gagné. Maintenant, on ouvre cette porte. Vas-y. Go. Oh, la salle du garde. Oh, je suis mort. Bon, ok, on peut pas aller plus loin. Alors, est-ce que ça, c'est la téléportation? Je ne sais pas. Tout à l'heure, la téléportation, elle nous a tués. Et là, bah maintenant... Ça nous crée un portail. Let's go. Il n'y a pas plus simple. On n'avait pas prévu ça. J'ai froid, les amis. J'ai froid. On est mort. Bon, on va tester les médicaments, mais j'espère que c'est pas comme du poison, ça va pas nous tuer directement. Non. Oh, garde, venez me sauver, il faut m'emmener à l'infirmerie. Peut-être qu'à partir de l'infirmerie, on va pouvoir trouver une solution pour s'échapper. Oui, c'est ça, les amis. On part en ambulance, on est amené directement à l'hôpital le plus proche. Donc là, déjà, on est parti. Oh, est-ce qu'on prend le flingue ou on lui met un coup de poing? Go prendre le flingue. Oui, vite, tape. Let's go. Vite, on sort. Ah non, on sort par devant ou par derrière. Go. Oui. Let's go, saute. Fais attention en sautant. Fais attention. Oh, non, ça va trop vite. Hein? Vite, attends, tu me fais écraser. Non, c'est bon, on est libre. Et si on avait pris l'option coup de poing, qu'est-ce qui se serait passé? Ah oui, d'accord. Et si on avait essayé de partir par l'avant, alors là, à mon avis, on se serait fait... What? J'ai tué le conducteur. Bon, alors, on va tenter le classic gun, voir ce que ça donne. On va appeler un garde. Viens là, petit. Salut, mon pote. Vas-y, ouvre, je te dis. Ouvre. Mais il ouvrira jamais, vu que j'ai un flingue. Ah si, go, faut le tuer. On a deux flingues maintenant. Ah non, on peut pas les prendre. Il faut le tuer. Ok, on peut pas aller plus loin pour cette option. Dernière option du niveau 2, il s'agit de la clé, bien évidemment. Et alors là, peut-être qu'on va avoir encore une nouvelle liberté. Je l'espère, je nous le souhaite. Allez, c'est parti. Oh, droite ou gauche? Allez, à droite. Tout à l'heure, on a été dans la porte de gauche, il y avait les gardes. Et là, on peut se cacher dans un casier. Go. Oui, on s'est carrément mis en garde. Et alors là, par contre, on peut rentrer tranquillement là et on est cramé. Ok. Pas de problème. Bon, on va essayer de s'échapper par là, par la fenêtre. Je sais pas si ça va le faire. Attention. Oh, on est parti dans le conduit. Oh là là, le sac à dos ou la corde. La corde, ça peut être très très bien, les amis. La corde. Peut-être pas là. Et si on prend le sac à dos, est-ce que c'est un parachute? Je sais pas. Oui, c'est ça. Oh, et là, on peut partir tellement loin. Oh, on a pris le vent. Oh, on a trop pris le vent. Non, c'est bon, on est libre. C'est réussi. Et voici maintenant le niveau 3 avec tout un tas de nouveaux outils. Alors, est-ce qu'on transforme ça en petite chaussette plante ou bien en plante carnivore? Oh, franchement, des petites plantes carnivores, ça pourrait être pas mal. Allez, c'est parti. Bam. Oh, tu t'es trompé, je crois. Il va lui donner, c'est parti. Oh, elle est juste là en plus, parfait. Allez, tiens, prends ça. Oh. Wow. Oh, bah déjà qu'il était pas arrangé, ton nez, mais là, ça va pas être mieux.
Ok, ils vont tranquillement se poser dans le salon. Et on a deux choix maintenant. Est-ce qu'on fait quelque chose par rapport au ressort ou alors on change la température? Oh, la température, au pire, ils auront chaud ou froid, on s'en fout. Nous, on veut mettre un truc avec les ressorts et le canapé. Waouh! Ils vont se prendre le plafond, c'est sûr! 100% ça va exploser! Bam! Let's go! Je pense que c'était le meilleur prank qu'on pouvait faire ici. Bon, bah, je trouve que les pièges commencent super bien pour le début de la vidéo. Ils vont au cinéma ensemble, apparemment. Et en tout cas, juste avant qu'on continue à piéger donc cette chère professeure qui nous énerve, eh bien je vous demande à tous de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et surtout de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et nous c'est parti, on continue. Et est-ce qu'on met un film d'horreur ou alors on change l'ampoule? Alors dans les niveaux précédents on avait déjà fait un truc avec le film d'horreur dans le salon, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un truc avec l'ampoule. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. What? Wow! Court circuit! Oh, ça va les éblouir! Oh là là, il voit plus rien! Oh, qu'est-ce qui se passe avec les popcorn? Oh, c'est le moment pour nous de mettre soit une souris ou bien de couper peut-être juste en dessous. Ah, j'aime pas gâcher la nourriture, donc ce qu'on va mettre, c'est une petite souris. Si au moins elle peut se nourrir, oh, elle va directement dedans! Oh, ok, lui il a rien par contre, et elle. Elle a mangé! Niveau fail! Alors que c'était le meilleur prank que je pouvais faire! Bon, très bien. Bon, bah, on va mettre un coup de cutter dans ton pot popcorn. Et alors là, ça va donner quoi là? Waouh, il a partout par terre! Oh, il va tomber! Donc en fait, ce prank, du coup, c'est le bon, apparemment. Bon, après, au moins, elle pourra pas manger ses popcorn, elle pourra plus, là. Oui, maintenant, il faut dévisser son siège ou alors faire un truc avec du soda. Je sais pas du tout ce qu'on va faire avec le soda, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le tournevis, on prépare un truc de ouf. Allez, on continue. On va la faire tomber. Oh, la honte. Oh, d'accord, on a carrément enlevé le truc. Oh, ça va lui faire trop mal aux fesses, ça. Oh. Regardez-le, là, son mari. Il essaie de la débloquer, c'est prêt. C'est bon, c'était la bonne solution. Ok, on est de retour à la maison. Faut la faire tomber encore? Ah non, faut pas la faire tomber. Ouh, qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette chaise? Alors, soit on y met de la glu ou bien du papier cadeau. Allez, on va mettre de la glu, on va voir ce que ça donne. Si elle peut rester collée à la chaise, ça pourrait être super sympa. Allez-y, madame, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise préférée. Alors, ça colle aux fesses, c'est ça? T'as les fesses qui collent. Oh, regardez-le à la trille, il arrive avec un cadeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il va falloir lui mettre la tête dedans, j'espère. Alors, soit on y met des bougies magiques ou alors un feu d'artifice. Oh, voilà, directement, moi je veux le feu d'artifice. C'est parti, ça va exploser le gâteau. Bah, let's go! Il y a quand même une cerise sur le crâne, machin. Allez, on y rajoute un coup avec la table maintenant. Ah ouais, directement. Allez hop, terminé, Misty. Wow, changement d'ambiance. On est direction la plage. Est-ce qu'on fait quelque chose par rapport à l'huile ou alors on lui donne un parapluie? Non, c'est plus le parasol qui est là, je pense. Oh, à la limite, il peut s'envoler et qu'elle se le prenne dans la tête, ça pourrait être pas mal. Ah bah non, elle en avait un. Qu'est-ce qu'il faut là? Vite, dans l'eau. Oh, le jet ski. Est-ce qu'on lui met du fuel rocket ou alors on lui donne un Red Bull? Oh, ben moi, je vais lui mettre un fuel rocket directement. Vas-y, monte dessus. Oh là là, on le met. Vite. Vas-y, monte dessus. C'est parti, décollage, direction la lune. Oh, elle accélère pas très vite, finalement. Oh, ça a pas marché. Dommage. Bon, ben, on va te donner du Red Bull, alors ça sera pas mal. Ah ouais, on le met directement dedans. Bon, ben, au moins, on est sûr que ça marchera pas, là. Quoique, on sait pas, en vrai. Peut-être que le Red Bull, c'est pas mal pour ça. Allez, c'est parti. Waouh. Ah, mais ça marche bien avec le Red Bull, apparemment. Waouh. Incroyable, madame, vous êtes une gymnaste hors pair. Alors, baleine ou requin? Oh, une petite baleine, si elle pouvait finir dans la bouche d'une baleine, ça pourrait être pas mal. Waouh. Oh, elle s'est mise dessus, d'accord? Carrément. C'est un sous-marin, le truc, on dirait. Bon, bah, je l'ai sauvé, apparemment. Bon, bah, très bien, on va prendre le requin, ça sera pas mal. Waouh, il est trop stylé. Et attention, tu vite, cours, vite, nage. Non, cours pas, non, nage. Oh non, on verra pas la suite, non. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va y rajouter de l'acide dedans, là. C'est pour nettoyer le tableau, ça, ou quoi? Ah, nettoie la table, il y a de l'acide partout. C'est pas avec l'aspirateur que ça va le faire, hein. C'est de l'acide, hein, je te rappelle. Bon, vas-y, on va enlever la batterie, voir. Hop, enlève-moi ça. Ah non, on va en mettre une. Mais ça va exploser. Mais quelle batterie on a mis, là? Quel type de batterie on a fait? Oh, c'est trop génial, je veux la même batterie à la maison. Niveau réussi, passons au niveau 26. Oh, madame se regarde dans le miroir, elle s'apprécie. Hein. T'es bien la seule à t'apprécier, mais c'est le plus important. Mais t'es moche. Alors, la baignoire, il faut saboter la baignoire. Des bulles ou... Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, ça. Bon, on va y mettre des bulles. Bon, je sais pas si c'est une très bonne idée, en vrai. Je pense que ça va juste l'amuser d'avoir des petites bulles dans sa baignoire. Wow, c'est un peu dépassé, par contre. Hein. Allez, hop. Wow. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais non!
Mais non, c'est pas possible. La tête dans les chiottes. Bon, bah maintenant on va faire un truc. Bon, on va éviter la glu, ça fait un petit moment qu'on l'utilise. Maintenant on va utiliser le petit canard en plastoc. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Oh, ok, il est relié au bouchon, il est relié au bouchon. Et qu'est-ce qui va se passer là? Allô? Elle ouvre l'eau, d'accord. Elle va pouvoir se laver les cheveux ou pas? Parce qu'elle est dégueulasse. Ah mais non, parce qu'il y a le canard qui flotte. Hop là. Waouh, elle avait prévu de sauter, mais y'a plus d'eau, madame. Eh ben, elle est complètement folle, celle-là. Hein, de retour à la plage encore. Waouh, le parasol, il est énorme. Bon, attendez, on va mettre un petit coup de ciseau. Moi, je trouve qu'il est un peu trop énorme. Voilà, ça gâche la vue, je trouve. Hop, voilà. Oh, petit smiley. Oh, non, on va lui faire un bronzage avec un visage. Attendez, c'est ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça a marché. Ça marche. Bon, maintenant, est-ce qu'on utilise de la peinture ou bien du tan? Allez, on va utiliser le tan. Tout à l'heure, on l'a pas fait. Oh, ça va aggraver son cas si elle le met sur le visage. Ça va aggraver ton cas. Ça va te permettre de bronzer encore plus, en fait. Ah non, ça l'a enlevé. Non, ça a pas marché. Dommage. C'est quoi, ça? C'est quoi? C'était un œuf? What? Bon, bah, du coup, on va utiliser le tube de peinture. C'est parfait, ça va. Oh, mais oui, mais toute la tête va être rouge, là. Mais il y a encore le visage. T'arriveras pas à t'en sortir. Ok, alors la suite. Oh, maintenant, il faut saboter le transat. Est-ce qu'on utilise un couteau? Ou de quoi le renrouler, en fait? Ouais, vas-y, on va utiliser ça, hop, voilà. Ouah, on l'a tendu. Elle va se faire éjecter. Elle va se faire éjecter. Wouhou! Bam! Let's go! Niveau ici, passons maintenant au 28. Oh, madame est sérieuse, madame est écologique, elle ramasse les ordures au sol. Bon, ça c'est une très bonne chose, madame, mais on va pas vous laisser faire. Oh. Est-ce qu'on y met une poubelle ou bien un ressort? Allez, go, un ressort encore. What? Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai pas compris. On va maintenant saboter le sac plastique. Et ben, on va y mettre des petits clous comme ça. Oh non, il va s'ouvrir du coup quand elle va tirer dessus. Il va s'ouvrir, ça va en foutre partout. Ça va en mettre partout, c'est sûr. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Pourquoi elle est partie en arrière comme ça? Alors, est-ce qu'on lui met une corde ou alors des pines? Des pines. Ah, mais non, on va pas l'envoyer en mer en fait. On va la laisser là, mais juste. Oh, ça c'était bon. Mais c'est trop génial, c'est niveau de Prankster. Et bam! Bon, on va te ramener un requin, t'inquiète. Non, c'est bon, le niveau est complété. Retour à la maison, on est dans le jardin avec son mari, tranquillement. Wow, ça fait des petits tours de toboggan, ce que je vois. Ah oh, bah lui, il est pas revenu, apparemment. Mais on va saboter le toboggan. Est-ce qu'on utilise de la peinture ou bien du feu? Du feu, allez go! On va chauffer un petit peu le toboggan, ça va lui faire drôle aux fesses, ça. Ah, c'est chaud! Ça brûle. Alors, ah ouais, d'accord, du coup, balançoire. Roquette ou alors coup de scie. Oh là là, la roquette ça peut être très sympa, mais en vrai, un petit coup de scie dans les pieds de la balançoire, ça peut le faire. Ah non, elle est directement ici. Oh ben là c'est génial, mais elle va tomber dans le sable, donc du coup ça va pas trop se faire mal. Hop là. Oh, elle gère trop. Bon bah parfait, on va pouvoir tester la roquette du coup. Bon bah c'est très bien, allez, c'est parti, on te met ça. Oh là là, elle va faire combien de tours là? Elle n'a fait qu'un seul en fait. Elle est partie voir la lune. La chance qu'elle a, franchement, c'est une grosse chance. Hein. Oh, madame fait du baseball apparemment. Oh, attention à la balle. Bah, oh, oh. Ok, il recommence. Maintenant, il faut faire un home run. On va remplacer la balle par une grenade ou une paintball. Ah, bah une grenade quand même, c'est beaucoup plus sympa. Hop là, tiens mon pote. Allez hop, lance-la-moi. Et... Bah, scotché au grillage. Bon, ça va en vrai, hein. Pour une grenade, ça lui a pas fait trop mal. Hein. Allez, on relance une balle. Oh, wow, madame est sportive quand même. Hein. Et cette fois-ci, oh là, soit on lui donne une pampers, ou alors une boule de bowling. Oh, une boule de bowling, ça peut être pas mal. Après, peut-être que la couche pampers aurait été pas mal si elle était pleine. Wow, mais elle est trop forte. Bon, bah du coup, j'espère qu'une seule chose, c'est que la couche, elle est pleine. Alors, c'est parti, on met la pampers. Oh, oh. Ah non, elle est pas pleine. Hop là, surgelé. Ouais, c'est tout, ça va. C'était un petit prank, ça. Ouais, elle va lui mettre une claque. Ah non. Elle a besoin de se nettoyer. Alors, est-ce qu'on prend du papier toilette? Ou une serviette, on va prendre du papier toilette, c'est pratique. Efficace. Allez hop. Oh, il est dégueulasse déjà, le truc. Il est ouvert. Je me suis mouché dedans. Ça, c'est fait. Quoi? On a fini tous les niveaux, les amis. Reptile, j'ai faim. Alors, donne-moi à manger tout de suite. Wow, les amis, on est avec Monsieur Tomate. Il vaut mieux pas le contrarier. Alors, Monsieur Tomate, j'ai plein de trucs à te proposer. Ça, si tu veux. Ou j'ai même du riz, si tu le souhaites. Tiens, prends du riz, c'est bon pour la santé. Wow, ok, apparemment il n'aime pas le riz. Bon bah dommage pour toi Monsieur Tomate, moi je vais le manger hein. Les amis, je pense que ça manque un petit peu de ketchup. Mais ça tombe bien parce que Monsieur Tomate est là pour ça. Alors donne-moi-en un petit peu toi. Wow, mais c'est que c'est super efficace. Ah, on l'a énervé.
Et salut tout le monde, c'est Red qui nous se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Monsieur Tomate. Mais on va devoir faire super attention à ce qu'on donne à manger à Monsieur Tomate, sinon il va s'énerver. Donc allez les amis, juste avant de commencer ce jeu de folie, je vous demande à tous de mettre un gros pouce bleu juste en dessous. Et nous, c'est parti, on va essayer de débloquer les fins secrètes de ce super jeu Monsieur Tomate. Surtout, ne pas l'énerver. Salut Monsieur Tomate. Apparemment il a fait ça, on avait compris. Ah, il peut pas manger lui-même. Ah, il veut de la soupe de tomate, j'ai failli pas entendre, ok. Il semblerait que ce soit ça. J'aimerais bien lui donner une fraise pour voir. Tiens, prends, mange. I want a steak. Okay. Yes, maintenant il veut un steak, très bien. Hop là, tiens mon pote, fais-toi plaisir, on a gagné des points. Voilà. I want a carrot. Oh non, c'est pas la fin, c'est surtout son énervement qui a écrit ici. Alors il veut maintenant une carotte. Et si on lui donne du chocolat, qu'est-ce que ça donne? Tiens, mange du chocolat. Tiens mon pote. Alors il va s'étouffer. Il est allergique au steak. Ok, il veut un steak cette fois-ci. C'est quoi? C'est une pomme de terre ça? Tu veux une pomme de terre? Tiens mon pote. Oh, mince. Il s'est énervé là de 1 point. Je sais pas si c'est bien de... On le mixer ou pas? Non. Tiens, prends. Ça va l'énerver encore une deuxième fois. I did not ask for this. Non, c'est bon, il s'énerve. Ah si, c'est énervé. Ok, il veut un cheeseburger. Tiens, on arrête de faire n'importe quoi. Il faut qu'on gagne les amis. Sauce. Ah, il veut de la sauce. Bah tiens, si tu veux. J'ai du ketchup aussi, mais je pense que tu peux le faire quand même. Some chocolate soup. Ok, soupe de chocolat, ça on a. Tiens, mon pote. On a des ciseaux, je sais pas à quoi ils servent les ciseaux. On va voir. I want an apple. Ah, il veut une pomme. Attends, c'est quoi les ciseaux? Comment on fait pour avoir les ciseaux? Je sais pas. Tu veux une pomme? Tu veux qu'on te la mixe ou pas? Tiens, on va te la mixer. Hop, go mixer. Ah mince, on peut pas. Bah attendez, on va lui rajouter une cerise dedans. Go mixer. C'est bon. Je sais pas s'il va aimer ça. Alors attends, comment on ouvre? Allez, ouvre-toi. Ah, je crois qu'on a perdu ce qu'on a mixé. Now, I have nothing to eat. I want a bacon. Ok. Tiens, prends du bacon. C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui va se passer, les amis? Je comprends pas, là. Tiens, on a 20 points pour l'instant. Il veut de la sauce. Tiens, prends de la sauce. Pour l'instant, on gère de la soupe de carottes. Mais ça, c'est... Ah, c'est celle-là, je crois. Je crois que c'est celle-là. Tiens, elle est pas très orange, mais ça devrait le faire. I want sushi. Ok, il veut des sushis. Tiens, mon pote. Pour l'instant, c'est hyper facile. I want a bacon. Qu'est-ce qui va se passer? Je comprends pas. Oh. Allez, tiens, prends ton bacon. Pour l'instant, il est que à 3 d'énergie. Oh, il veut de la... Quoi? Tu manges des glaçons directement comme ça, toi? What? I want potato. Très bien. Il veut une patate. Tiens, prends la patate. Il nous reste 5. Ok, il veut un donut. Mais pour l'instant, il nous demande des trucs simples. Et à mon avis, après, ça sera plus facile. Attendez, tiens, prends la carotte. Plus que 3 maintenant. I want a cheeseburger. Cheeseburger, tiens mon pote. Ah là là. I want some tomato soup. Tomato soup. Tiens ta petite, tes petites copines qu'on a complètement rendues en soupe. Tiens, mange. Pourquoi il mange pas? Voilà. Bon. I want to eat some French fries. Ah, il veut des frites françaises. C'est plutôt les Belges qui gèrent les frites. Hein. Tiens, prends ça mon pote. Ok. Alors, ok. Du coup maintenant les amis, on a débloqué la lampe torche qui nous servira lorsqu'il sera trop énervé, je crois. Il a toujours sa barre d'énervement à 3. Ok. Tiens, cheeseburger. Faut pas l'énerver surtout. Attendez, on va essayer de l'énerver justement. I want salami. Tu veux du salami? Hein? Tiens, attends, je te le mixe. Tu vas voir ton salami. Tu vas voir mon pote, j'espère que t'es pas allergique au poulet. Hein. Allez, c'est parti. Alors, mais comment on lui donne? Bah, je sais pas. Pour l'instant, le mixeur, il est pas très efficace. Hein. Tiens, prends ça du coup. Je sais pas ce que tu voulais, mais. I did not ask for this. Désolé, mon pote. Cucumber. Ok, tu veux quoi? Tiens, prends du piment. Ah, il va péter un plomb. Il va péter un plomb, il va s'énerver là. I want some ice. Ok, il veut de la glace. Non, tiens, prends ça. Il va péter un plomb d'ici très peu de temps. I did not ask for this. I want sushi. Sushi? Sushi, tiens. Petit sushi. Brut. Allez, attention. I did not ask for this. I want a cucumber. Il veut un concombre. Tiens, prends des glaces. Je sais que t'adores sucer les glaçons, toi. I did not ask for this. I want to eat fried fish with salad. Oh, il veut des... Il veut quoi? Il m'a dit une salade avec des frites, je crois, mais il n'y a pas de frites dans la salade. Mais tiens, prends ça. Attention, on va arriver à 10 d'énervement. I want a glass of water. Il veut de l'eau. Tiens, prends du bacon. On arrive à 10. Est-ce qu'il va se passer un truc de ouf? I did not ask attention. For this. Attention. Oh, oui! C'est ça! Mais ça va, il est passé en mode énervement. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, ce qu'il y a à manger, c'est pas top, hein. Est-ce qu'on peut utiliser la lampe torche pour allumer un petit peu ou pas? Non, pas encore. Tiens, prends ça. J'espère que c'est ce qu'il voulait.
Oh, tiens, prends un œil. Ouais. Quoi? Je comprends pas, mec. Tiens, prends cette main. Ok, prends du cerveau, c'est bon pour toi, t'inquiète pas. Ok, pour l'instant, il aime tout, hein, donc on va lui laisser comme ça. Prends une petite main, encore une fois. Ouais, tiens, prends ça. Je le sens pas, les amis. Plus que deux aliments. Un petit œil? Une petite main, peut-être? Une petite main, voilà, ça c'est cadeau. Allez, c'est bon, on a réussi. Yes! Redeviens normal, s'il te plaît. Ah! C'est quoi ça? What, les amis, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi ce délire? Je m'y attendais pas du tout. Ok, j'ai compris, on ne le nervera plus. Oh, what, mais le jeu a complètement changé. C'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous arriver? Ça va, monsieur Tomate? T'es encore là ou pas? T'es fini en ketchup? T'es dans mon riz? Allô, monsieur Tomate? What? Les amis, le jeu est en train de jouer avec mes nerfs, là. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je n'arrive plus à lancer le jeu. C'est quoi ce délire, là? Oh. Il veut plus fonctionner. What? Ok, c'est bon, les amis. J'ai réussi à relancer le jeu après avoir eu la mauvaise fin. Et du coup, on est de retour sur Mr. Tomatoes. En fait, il a fallu que je télécharge une version spéciale sur Internet. Et là, on va pouvoir, pourquoi pas, avoir la bonne fin. Donc du coup, on va essayer de lui donner tous les bons ingrédients une vingtaine de fois, voir ce que ça donne. Alors, ok, il veut du steak, notre ami. Rebonjour, Mr. Thompson. Ah, de la sauce. Alors, il faut savoir qu'on est le lendemain de la fois où j'ai eu la mauvaise faim que j'ai eue tout à l'heure, là. Ok, ouais, potato. Ouais, parce que le temps que je réussisse à relancer le jeu... Une glace? Ah, tu veux... Quoi? Il a dit quoi? Il veut ça? Non, il veut pas ça? Si, il veut ça. Oh, ok, une petite pomme. Très bien, il nous faut un maximum de points. Ok, il veut le steak. On va cumuler les points et on pourra acheter de nouveaux outils. Ok, un donut. Et apparemment, dès qu'on aura 500 points, on pourra acheter un couteau qui nous permettra d'avoir une fin spéciale. Tu veux de la crème? Très bien. Pour l'instant, on est sympa avec lui, hein, contrairement à la première fin. Ok, une petite carotte pour ma tomate préférée. Bacon. Bacon? Tomate préférée, elle nous a quand même bien fait flipper, hein. Tomate soup, tiens, une soupe de toi-même. Poche! Prends-le! I want the steak. Il veut pas, je clique sur lui. Ah, c'est bon. Faut cliquer plus fort. I want a donut. Un petit donut au chocolat, ok. Plus que 6. Allez, prends! C'est incroyable ça, il a pas. I want to eat some salad. Salade! Mais comment il peut engloutir tout ça? I want to eat some French fries. Alors, French fries, tiens, mon pote. Plus que 3. I want potato. Non, pas ça. Tiens, prends ça. C'est pareil, I want mais. Fish. Différemment. Petit poisson et plus qu'un seul, les amis. I want a glass of water. Ok, glass of water. Tiens, mon pote. Okay. Et là, qu'est-ce qui se passe? I am full for now. Alors? Visit ah, ok, on va cumuler les points. Et on va pouvoir débloquer d'autres choses. Ouais, c'est ça, les amis. Là, on a du coup la lampe torche qu'on avait eue. Il m'a dit quoi là? Il m'a dit du salami, c'est ça? Non, je sais plus. Non, c'était pas ça! I did not ask for this. I want to eat some mashed potatoes. J'ai pas entendu, mon pote. Alors là, j'ai entendu, tu veux de la potato, c'est ça? Mince, il fallait le mettre dans le blender. Ok, carotte soupe, tiens, cette fois-ci, tu veux rien de plus, c'est bon? Ok, quoi? Un combo meal? Du coup, tu veux que je te mette ça là-dedans? Et peut-être ça aussi? Allez, c'est parti, on mixe! Mais je sais pas comment le récupérer à chaque fois, ça disparaît! Bon, tiens, prends ça! Oh non, ça part mal! Comment on va faire? Ok, chocolat, tiens! Là, y'a pas de problème! I want a lemon. Lemon? Ouais, ça va, je sais faire! I want a glass of water. Glass of water? Ça va, une con, I want a donut. Ok, donuts! Waouh, ça va être chaud, il est déjà 4 d'énervement! Chicken? Ok, tiens, tout est prêt, voilà. Cheeseburger, tiens, il est prêt. Plus que 5, c'est bon, normalement, on va y arriver. Concombre, ok. Un cucumber. I want fish. Fish, tiens, mon pote. I want some ketchup. Ketchup, ouais, pas de problème. I want fish. Fish, très bien, plus qu'un, les amis. I want the strawberry ice cream. Strawberry ice cream. Ah, il veut qu'on les combine, alors. Comment je peux les combiner? Ah non, c'est avec les glaçons qu'il faudrait les combiner. Bon, on va tenter de mettre dans le mixeur si ça marche. À chaque fois, ça marche pas, je comprends pas. Referme, vas-y, tourne. Alors? Mais non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est bon, normalement, on a fini. Ça me s'énerve. Ouh, c'est bon. 101 points, les amis. Ok, alors là, les amis, j'ai pu avoir le petit bonbon qui est juste là. On va tenter de l'utiliser sur lui. Je sais pas ce que ça va donner. Delicious. Délicieuse. Ah d'accord, ça lui enlève de l'énervement, très bien. Alors attends, tiens, c'est le concombre que tu voulais. Oh oh, il faut faire un choix, les amis. Je sais pas lequel c'est, la soupe de chocolat, peut-être celle-là. I did not ask for this. I want some spaghetti.
Ok, spaghetti, très bien. Waouh. Mais maintenant, on le sait, hein. On peut prendre... Ok, crème. Et on... dès qu'on a assez d'argent, on achète des bonbons. Et on lui donne. Crème, encore. Tiens. Waouh. I want strawberry. Strawberry, tiens, mon pote. Oh, oh. Tiens. I want potato. Yes. C'était ça. Patate. I want a bacon. Oh, non. Ah, mais c'est bon, il veut le bacon. Parfait. On n'aura pas de... I want some spaghetti with tomato sauce. Oh, ok, il veut de la sauce de tomate avec des spaghettis. Bon, on va mettre ça dans le blender. J'espère que c'est bon. Attention, ça va tourner. Non, c'était pas ça. Bon bah tiens, pas ça alors. Fais-toi plaisir. Ah non, c'était pas ça. Ok les amis, on est monté à 6. Oh non, 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 le bacon. Allez, j'espère que c'est celui-là. Non. On est à 7 maintenant de l'énervement. Il va encore péter un plomb. Oh oh. Ah c'est bon, c'est là où il faut utiliser la lampe torche. Ok. Tu veux des fiches? Wow, heureusement qu'on avait la lampe torche. Par contre, oh, soupe de chocolat. Ok, je mets ça dans le mixeur, mais cette fois-ci, ça a intérêt à marcher et pas partir, hein. Ok? C'est bon? On tourne? Oui, ça a marché! Wow! Il m'a demandé quoi? Il m'a demandé quoi? J'ai pas entendu. Il a dit cerise, non? J'espère. Il a dit cerise, s'il vous plaît. Chicken. Ouf, oh, ok, chicken, maintenant. Okay. Ah! Sauf que là, j'ai plus ma lampe torche. Comment on fait? Bah, je te donne au hasard. Tiens, prends ça. I want to eat some salad. Oh, c'était ça. Mais ça a re-éteint. Ok, tiens. J'espère que c'est ça encore. Non, on est à 10 d'énervement. Il va péter un plomb. Non. Comment on va faire maintenant, les amis? Bon, je sais qu'il va me faire peur, là. Je sais qu'il va me faire peur. Non. Doucement, s'il te plaît. Ok là les amis, je viens de faire deux parties et je suis à 332 points. Et j'ai un petit bonbon au cas où. Et objectif, avoir le couteau de 500 points. Donc là, il faut réussir cette partie, sachant qu'il est déjà un petit peu énervé. Je l'ai énervé en deux parties, il est à 5. On peut lui donner le bonbon directement. Oh non, ça commence hyper mal. Allez hop, ketchup. Tiens mon pote, pas de problème pour toi. Bon, je vais donner le bonbon, il est à 5. Il reste 30... Salade, ok. Il reste 30 ingrédients à lui donner. Ça va être chaud. Ok, pour l'instant ça va, tant qu'il nous met pas dans le noir. Ok, alors là, il veut de la glace de fraise. Donc, normalement, si je mets les deux trucs, ça devrait m'en donner, j'espère. Ah, ben non. Ah, si, c'est bon. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il fallait mettre les glaces en plus. Ça fallait mettre les glaces en plus, là. Oh là là, plus que 4, il va s'énerver. Sushi, tiens, pour toi, mon pote. Oh non. Some mashed potatoes. Les amis, je l'ai vu. Mashed potatoes. Attends, je le mets dans le blender. Je peux tourner le blender ou pas? Non, il faut que je rajoute quelque chose. Je rajoute ça. On fait tourner le blender. Oui, j'ai eu un truc. Attends, prends, j'espère que c'était ça. Il veut un bacon. Oh, il veut un bacon. Attends, le bacon, c'était ça, je crois. C'était au milieu, je l'ai vu deux secondes. I want an apple. En fait, on voit, avant qu'il mette dans le noir, on voit un petit peu. I want salami. Ok, salami. Wow. I want bacon. Oh non, j'ai pas eu le temps de voir. Il y a deux sacs. Je crois qu'il y a deux sacs. I want some tomato soup. Ok, tomato soup. Oh. Plus de 20. I want to eat some chocolate. Chocolat, très bien, pas de problème. I want an egg. Egg, ok. I want some tomato soup. Tomato soup, pour l'instant tout va bien, plus que 17. I want some ice. Oh non, ice, c'est soit à gauche ou soit au milieu. J'espère que c'est au milieu. I want chicken. Yes, yes, chicken. I want some spaghetti. Spaghetti, très bien. I want pepper. Ok, pepper. Tiens mon pote. I want to eat some mashed potatoes. Les amis, je l'ai vu. Mashed potatoes. Alors attendez, on va le mettre dans le blender et avec la sauce. Hop, on tourne. Oh là, oh. Pour se repérer, c'est trop chaud. Attendez. Tiens mon pote, mange. Ah, ça marche pas. Les amis, je crois que j'ai perdu ce que j'ai mis dans le blender. Je suis obligé de lui donner ce qui me reste. Non, mais non, c'était dans... What? I want some carrot soup. Ah ben là, j'ai pas eu le temps de voir. Bon ben, je le donne, j'espère que c'est ça. I want a glass of water. Ok, glass of water. J'ai une chance sur deux. Il reste plus que 11 avant d'avoir le couteau. Non, pepper. Ah, oh, j'ai plus de lampe torche. Non, pepper. Tiens, mon pote, prends ça. Non, plus qu'un dénervement. Ok, c'est bon. Là, je l'ai vu. Je me concentre à fond. Sushi. Sushi. Ok, 7. I want a glass of water. Ok, pas de problème. I want an egg. Oh non, une chance sur deux, je vais perdre, les amis. Non,
il va s'énerver encore. Dommage, on a perdu. Wow, les amis, je viens de refaire deux parties et je suis à 492 points. Il m'en manquait plus que 8 pour gagner. Donc, du coup, je vais en dépenser quelques-uns pour acheter deux lampes torches et un petit bonbon ou pas. Ouais, un petit bonbon au cas où qu'il devienne énervé. Allez, cette fois-ci, normalement, cette partie, c'est la bonne. On va lui donner 30 ingrédients. C'est parti. I want some chocolate soup. Ok, chocolate soup, c'est parti. I want a fried egg. Fried egg, alors bacon, œuf, comme ça. Tiens, mon pote, voilà, c'est cadeau. Oh, tout se passe bien pour l'instant. I want an apple. Oh, oh, ça y est, les problèmes commencent. Tiens, mon pote. I want some oui. Spaghetti with okay. Tomato on est bien, sauce. On est bien, on est bien. Non, je vais donner trop tard, il m'a demandé de la sauce. I did not ask for this. I want an apple. Ok, tiens, ça en vrai, il a que un d'énervement. I want some sauce. Ça devrait le faire. De la sauce, tiens, mange de la sauce, pas de problème. I want a bacon. Bacon, tiens, mon pote. I want a cheeseburger. Oh. Ah, cheeseburger. Oh, il me demande le seul truc. I want a lemon. Ok, là, pareil, c'est bon, on a de la chance pour l'instant. I want a fried egg. Oh, fried egg, ok. Ok, plus que 6 ingrédients, mais j'ai l'impression que j'aurai pas assez de points, les amis. I want some ice. Ice, ok. J'ai que 167 points, alors. I want a donut. Ok, donuts, on va passer à 178, 75. Oh, la crise, les amis, je crois que j'ai pas assez de points. I want some ketchup. Okay. Ketchup, oh, tiens, prends ça, j'espère que c'est ça. I want chicken with potatoes. Oh, j'ai eu de la chance. Chicken with potatoes, ok. Là, c'est le dernier ingrédient, on va voir ce que ça donne. Attention, c'est parti. Okay. Est-ce que j'ai assez? 205, je crois que c'est bon. Oui, je crois que c'est bon. Mais on va prendre le couteau. On va pouvoir le découper. Enfin, je sais pas où il sert le couteau. Attendez, shop. Ouais, c'est à 517. Allez hop, on achète le couteau. Et alors, comment on va utiliser? Ah ouais, il y a marqué. On peut pas savoir comment on l'utilise. Bon, eh ben, écoutez, on va l'utiliser sur lui. On va voir ce que ça donne. Ou alors, c'est peut-être sur les ingrédients, mais je crois Welcome pas. Back. Salut, I'm mon pote. Alors maintenant, j'ai un couteau. Un petit couteau. Tu veux quoi? J'ai pas entendu. Un couteau. Oui. Les amis. Oh, I didn't think that everything would turn out that way. You are either much smarter than I thought, or eh you oui. are just a monster like me. Well, you won. For now. Congratulations. Merci. You finished the game. J'ai gagné. Goodbye. On a gagné le jeu, les amis. Goodbye. Yes. Il a dit qu'on était un monstre comme lui. Oh, et qu'il ne méritait pas ça. Yes. Let's go, c'est la win. Ah, du coup, maintenant, il y a plus personne. Allô. Bon les amis, on est de retour chez la marmotte la plus marrante de tous les temps. Souvenez-vous de la dernière fois, on l'avait quand même pas mal embêté à sonner à la porte. Et on avait eu des réactions quand même très étranges, hein. Ouais, cette mascotte est très bizarre. Sauf que ce grand fou, regardez ce qu'il a vu à la télé. Un super fauteuil à seulement 2$. Il est tombé directement amoureux de ce fauteuil. Il a donc voulu l'acheter et surtout, il est en train d'attendre à sa boîte aux lettres de recevoir le colis. Bon, ça rentrera sûrement pas dans la boîte aux lettres. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il est à sa fenêtre en train de surveiller que quelqu'un vienne poster son truc. Mais je sais pas vous, mais moi ça me donne quand même pas mal d'idées pour pouvoir le piéger via sa boîte aux lettres. Alors c'est parti. Oh, 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 comment ça marche? Eh, hey, combien de fois? Comment ça marche? Allez, go, go, go. Il arrive. Ok, ça se passe. Oh, oh. Yes, il y avait un piège, mon ami. Let's go. Waouh, ça lui a détruit la main, le pauvre. Allez, rentre chez toi. Bon, c'était pas mal pour un petit piège. Qu'est-ce qu'il fait là, le piaf, là? Eh, m'attends de là, toi. Oh, oh. Je vais plumer le pauvre. Bah, écoutez, les amis, on va retenter un petit coup sur la boîte aux lettres. Je sais pas combien il va falloir de coups. Alors, tout à l'heure, c'était 15. Et on va en remettre 15 pour voir. Allez, on voit toi. Oh, il revient. C'est parti. Alors là, par contre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui faire faire? Eat me, mange-moi. Vas-y, mange. Oh, le piège. Oh, le piège de ouf. Oh, oh, alors là. What? Ouais, je vous en mettrai plus, monsieur. Ah ouais, voilà, il suffisait d'un rond pour que ça... Quoi? Il manquait un petit rond juste pour qu'il reprenne sa taille normale. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, en tout cas, les amis, je l'ai pas précisé, mais on est sur Donut Disturb 2. Et franchement, ça s'annonce extraordinaire. Vu le nombre de prompts qu'on va pouvoir faire, c'est pas ton fauteuil. Attention, il revient. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? Oh, oh. Oh, attention. Oh, oh, oh. Bien fait, mon gars, m'attends là. Oh, alors attendez, on a débloqué quelque chose apparemment. Ah, ça, c'est pour moi. Oh, hein, voilà. Hey, j'ai gagné des petites pièces. Yes. J'ai gagné 50 pièces. On va pouvoir donc dépenser de l'argent. Oh, il s'est débloqué où le truc? C'était quel? Ah, c'était là. Combien ça coûte ça? Ah non, c'est juste pour ma collection de timbres en fait. Hein. Allez, vite, on revient là. Alors, le piaf là, comment ça se passe? Pas dans mon jardin. Qu'est-ce qu'il fait là, le piaf? Oh, c'est bon, voilà, reste en jeune, c'est très bien. Allez, on retape là-dessus, ouvre-toi. Oh, ok. Alors, est-ce que c'est mon fauteuil? Non, c'est pas ton fauteuil, mon pote. Attention. Oh,
Nope. Ah, ça lui fait un sacré... Quoi? Son œil est resté comme ça? Son œil est resté figé, c'est quoi ce délire? Est-ce qu'il va revenir comme ça après? Je sais pas. Je pense pas. Bon, très bien. Oh, un petit calendrier, c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est pour gagner de la thune. Bon alors, reviens. On peut toquer à sa porte ou sonner, je sais pas. On verra ça tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Alors attention, qu'est-ce que ça va être? Oh, une petite flûte. Oh, t'as vu ce que t'es en train de dompter, mon gars? T'es pas trop en train de dompter, là. Oh, le bon réflexe au bon moment. Wow, c'était juste. On va finir par le faire tuer, hein. Alors, est-ce qu'on peut sonner? Ah non, on peut pas. C'était dans un qu'on pouvait faire ça. Allez, on continue donc à taper sa boîte aux lettres. Et c'est parti, le courrier est arrivé, monsieur. Qu'est-ce que ça peut être là-dedans? Oh, d'accord, c'est encore ça. On a eu deux fois la même réaction, je suppose. Et là... Oh. Et le petit dernier, voilà. Oh, yes, j'ai débloqué un nouveau timbre. Hélicoptère, let's go, ça va direct dans ma collection, j'en veux d'autres. Nouvelle réaction. Alors, comment ça se passe, là? Est-ce que mon fauteuil est arrivé? Ah, une lettre. Ah, c'est peut-être... C'était quoi, ça? Ouais, on peut dire que c'était une lettre piégée, mais pour que ça explose comme ça, franchement, je sais pas qu'est-ce que c'était, parce qu'il y a pas grand-chose, hein, franchement, dans la lettre. Mais bon, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir cette fois-ci? Oh, un œuf. Oh, ça, c'est la maman, ça. Hop, là. Hop, tu me rends ça, mon gars. Ah, c'est bon. Ah, je croyais qu'il lui avait percé les yeux, mais c'est bon, tout va bien. Salut, mec, retourne chez toi. J'adore me défouler sur cette boîte aux lettres, en tout cas. Oh, déjà fini. Alors, est-ce que c'est mon fauteuil? Attention. Hop là. Oula, ça va pas tenir longtemps. Le tuyau va exploser, mais oui, c'est sûr. Oh, d'accord, bah, il se met à pleuvoir. C'est très logique. Allez, rentre chez toi, il pleut. Et un nouveau timbre pour moi, le timbre guitare. Alors les amis, je me demande si à un moment, il va avoir son fauteuil. En tout cas, faut pas compter sur moi pour le livrer. Hein. C'est trop lourd, on va attendre le postier. Peut-être qu'il va venir tout à l'heure, j'en sais rien. En tout cas, nouvelle réaction à venir. Attention. Hop. Voilà. À quoi ça peut servir, ça? Bah, manger. Bah, voilà, il mange. Attendez, il va la laisser là, la banane. Oh là là là, quand il va revenir. Alors attendez, hop, c'est mardi. Il va oublier qu'il a mis cette petite banane, et ouais. Hop là, bam, sur la tête. Ah, c'est tout. Oh, je pensais qu'il allait se faire plus mal. T'es pas obligé de te gratter les fesses. Allez, on revient. On débloque donc un nouveau timbre pour la collection. Parfait, mets-moi tout ce qui m'intéresse et péter cette boîte aux lettres. Oh là, il est arrivé vite là cette fois-ci, à toi aussi, ouais. Oh, ça va. Ah non, non, j'ai cru que ça allait lui mettre un gros coup dans la tête. Hop là. Oh, t'enfermes pas la tête dedans. Oh, mais c'était sûr. Oh, il est encore dedans? Vous pensez qu'il est dedans ou qu'il est reparti chez lui? Je ne sais pas, là. On va voir ça immédiatement. Non, il est reparti chez lui. Ouais, c'est un petit portail pour se téléporter directement dans le salon. Allez, hop, donc. Oh, ça a mordu, là. Ah non, c'est du miel. Mange ça, regarde. C'est bon, hein. Ah oui. Il va avoir... Oh! Ah bah, c'est... Ouais, c'était pas une boîte aux lettres, c'est une ruche, ça, mon gars. Hop là. Allez, hop. Retourne chez toi, vite. Oh, il est pas content, là. McGrump, ça, c'est son petit nom. Allez, reviens, mon gars. Alors, comment ça se passe, Wader, hein? Oh, du petit ballon de baluche qui sont remplis d'hélium, mon gars. Hop là, salut, mon gars. À la prochaine, tu me diras comment ça se passe là-haut, hein. Oh, ça va péter un moment, non? Oh, what? Oh, il est parti où? Oh, dans la forêt derrière. Hop là, oh, nouveau timbre. Yeah, banana. Allez, on y retourne. En tout cas, l'argent me permet de rejouer les réactions qui ont déjà été trouvées. Et pour l'instant... What? Quoi? What? C'est quoi ce délire? Attendez, je comprends pas. Ah, il s'est pris une petite épine dans le fesse. Hop là, eh ben là tu te grattes plus les fesses maintenant. Non mais vraiment, cette mascotte est excellente, je l'adore. Allez, reviens mon pote. Alors, comment ça va se passer là maintenant? Wow, là t'auras plus jamais de fauteuil, je crois, c'est terminé pour toi. Oh, quoi? Mais non, c'est pas possible. Je vous ai dit, cette boîte à lettres est magique, c'est un truc de fou. Allez, viens vite mon pote, le fauteuil est arrivé. Ou pas? Oh, un nœud papillon. Ouais, le bleu, mais... Ok, d'accord, il a changé le verre, mais t'en as commandé combien en fait? Le rouge? Ah, mais c'est celui que t'avais d'habitude. Oh, tu l'as mis où l'autre? Ok. Bon, bah, pour une fois qu'il y a une réaction qui va dans son sens, qui l'embête pas trop, franchement, c'est cool. Oh, avec son nouveau papillon, parfait! Alors, vous nous ça, mon pote, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un lapin? Oh, c'est un spectacle! Bravo, mec! Oh, bravo. La boîte aux lettres, c'est pas un chapeau. Quoi? On est parti où là? Oh! D'accord. Allez, reviens, mec, on veut un autre tour de magie. Refais-nous-en un, vas-y, sors quelque chose de la boîte aux lettres. Une petite bombe, un truc comme ça, là. Oh, oh, un putois. Vite, relâche-le. Oh, oh, oh. Oh, what?
C'est tout. Ah, il est resté derrière lui. Oh, ça m'a payé dans la maison, ça. Bon, nouveau timbre. Alors, mon gars, comment se passe ta cohabitation avec ton putois, hein? Tu peux nous en dire plus? Ah, je crois qu'on a déjà eu ça tout à l'heure. Oh, oh, oh. Wow, désolé, mon gars. Alors, attention, mon pote, je t'ai prévu une petite surprise aujourd'hui. La voici. C'est toi, en petit. Un petit cadeau qui fait plaisir, quand même. Oh, what, what, what? Ils se sont inversés. Ah, ben ouais, hein. Il fallait pas le torturer, le pauvre. Wouah! Il est en train de devenir tout petit! C'est quoi ce délire? Quoi? C'est quoi ce truc de ouf? Attendez, on va le rappeler. Est-ce qu'il est encore tout petit? Il est piégé dans un truc minimaliste? Non, même pas. Ok, très bien. Bon, tout va bien. Ça voulait redevenir normal. Ah, c'est le retour du truc bizarre. Wouah! Ta-di-da-da, c'est Chronopost! Oh! Il se ramène avec sa tasse de café, apparemment. Il a pas l'air d'être très content, là. Il est très réveillé, surtout. Quoi? What? Non mais c'est un truc de fou, je veux cette boîte aux lettres, elle est trop bien. Oh, ça va être un peu chaud, attention à toi. Oh non, dommage, il l'a pas vu, j'aurais trop aimé qu'il se brûle avec. Et l'oiseau, ça fait un petit moment quand t'as pas embêté toi. Hop là, oh, oh, rouge, il est sympa comme ça. Allez, on a maintenant 500 pièces d'or, ça fait plaisir, en espérant qu'il y ait une nouvelle animation pour cela. Et oui, le fer à cheval. Oh, 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 tu vas prendre un coup de sabot, mon gars. Il l'a remis dessus. Ah ouais, mon gars, c'est pas à toi, ça. Est-ce le fauteuil tant rêvé qui est arrivé? Ah, il arrive pas à l'ouvrir. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Oh, j'aurais dû m'en douter. Hop là. Allez, vas-y, reviens, mon pote. Je te promets que cette fois-ci, je t'ai pas troll. Je t'ai mis un truc très sympa dans la boîte. Dans la lettre. Le facteur est passé, monsieur. Vous pouvez venir. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Oh, une petite lettre d'amour. C'est parfait. La factrice est très amoureuse de lui. Quoi? Ah oui, oui, monsieur. On t'a vu, hein, on t'a vu, on t'a capté. Oh, le petit timbre girafe. On commence à être plutôt bien en termes de timbre, là. Regardez-moi tout ce que j'ai. Alors, première page, j'en ai pas beaucoup. Hein. Deuxième... Oh, bah, deuxième page, encore moins. Oh, bah, ça va, j'en ai quelques-uns quand même. Mais niveau réaction, on n'a pas encore tout vu, alors viens vite, mon pote. Tu as reçu un petit courrier. Attention, attention, attention. Hop là. Oh, tu y étais un petit peu précipitamment. Oh, le petit journal du jour. Astéroïde. Oh, oh, oh. Oh, oh. Attention à la mousse. Ah, attention à la bouillie. Oh, c'est tout. C'était tout. C'était tout petit, en fait. Ça lui a rien fait, il a même pas capté. Oh là là là. Eh ben, il a eu de la chance. Alors, cette fois-ci, on te prépare un tsunami, mon pote. Après l'astéroïde, c'est tout ce qu'on veut voir. Waouh! Wow, mon gars, ça va péter! Oh, oh. Ah, ça pète pas? Si, elle va péter, elle va péter, elle va péter à un moment, c'est sûr. Allez, pète! Ah, même pas. Oh, un nouveau timbre. D'accord. Il y avait une bombe il y a 2 secondes et là, j'ai eu un nouveau timbre. Parfait. Est-ce que tu y es pour quelque chose, toi, là? Oh, ok. Tu me réponds qu'en faisant caca? Alors, comment ça va se passer maintenant? Wow! L'explosion à retardement, bah oui, elle était encore là, la bombe. Oh, ça va, ça lui a pas fait trop mal, en vérité. Mais qu'est-ce que c'est que cette pierre-là? What? C'est quoi ce délire? J'ai pas trop compris le principe. Oh, si on peut l'activer pendant qu'il arrive. Eh, hey, regarde la pierre, elle bouge toute seule. Eh, hey, hey. Il a rien à faire. Lui, il veut juste faire choper son café, il a rien capté. Je comprends pas le principe de cette pierre, vraiment. Allez, hop. Oh, une petite chenifi de l'époque. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, y'a plus aucun son. Oh, c'est perturbant de ouf. Oh, oh, c'est bon. Il a réactivé le son, parfait. Il est choqué, le type. Ah, je savais pas qu'on pouvait interagir avec la forêt derrière. D'accord. Ah. Ça a tout enlevé. Wow, des petites poires qu'on poussait. C'est quoi ça? Bon, allez, mon pote, je vais t'embêter une dernière fois. Il me reste 2 réactions à trouver. J'arrive pas à les avoir. Donc, tant pis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. On se retrouve à très vite. Salut à tous, les Red Kill. Bye tout le monde.